Good morgen, allez, il est sur aujourd'hui, le Nishmatri, Sharon Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal, Amram Yona Ben Chana Beshalom et Shimon Ben Eléo Bekouka. Si vous souhaitez vous citer une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à ma serre Beta, Perekhe, Mishnah Aleph. Mashilin Perot Derech Aruba Beyom Tov, Aval Lo Beshabato, Mechassim Perot Bakelim, Mipene Adelef, Vechen Kadeyen Vekade Shemen. On a fini de parler avec la manipulation du feu pendant Yom Tov. Maintenant, on va s'intéresser à toutes sortes d'actions en rapport avec qu'est-ce qu'on peut faire pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on peut faire pendant Yom Tov, qu'est-ce qui est interdit dans l'un, qu'est-ce qui est interdit dans l'autre. Toujours en rapport, bien sûr, avec les aliments, le fait qu'on a le droit, que la Torah nous a permis de préparer les aliments. Donc, du coup, on va. Toutes sortes de sujets comme ça, un peu pour compléter la Mishnah en fait, dans les périques. Mashilin perot derech aruba beyom tov avalo beshabbat. Première différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est qu'on a le droit de. Mashilin, je ne sais pas comment le traduire. C'est faire tomber d'en haut. D'accord ? On pourra faire tomber d'en haut, c'est-à-dire qu'en fait, on parle d'un toit où il y a une lucarne. Sur le toit, il y a des fruits qui ne sont pas mouktés, qui étaient en train de sécher mais qui étaient sur le point d'être consommé par exemple, ou bien ou du blé, ou d'accord. Et puis, eh bien, on voit des nuages qui arrivent, le ciel se couvre, on craint qu'il va y avoir de la pluie, que ça va tout abîmer. La Mishnah me dit, tu as le droit de tout pousser pour le faire tomber dans la lucarne, pour que tout tombe chez toi, dans la maison intérieure, que ce soit protégé de la pluie. Ça c'est Mashilin Perot Derech Aruba Biyom Tov. On a le droit de faire tomber des fruits par la Aruba, par la lucarne, à Yom Tov, avalo beshabbat, mais à Shabbat, on n'aura pas le droit de faire ça. Quelle est la motivation de cette halakha? C'est un problème de. C'est quelque chose de fatigant. S'il y a des fruits qui sont installés sur tout un toit, commencez maintenant à passer du temps de Shabbat ou de Yom Tov à tout débarrasser pour que la pluie n'abîme pas. Si ce n'est pas impératif pour le Shabbat ou pour le Yom Tov, on te risque d'y avoir un problème. À cause de ta perte d'argent, Rami m'ont permis 7 tircha. C'est la tira, le torah, la fatigue de. On te le permet de le faire, tu as le droit de pousser tout avec ton pied, de faire tomber par la lucarne. Mais uniquement dans cette configuration, et que pour Yom Tov. À exclure deux choses. À Yom Tov, si tu dois les lever pour les faire passer par une fenêtre qui est plus haut, on ne te permettra plus. Et aussi à Shabbat, on t'interdit de le faire aussi. D'accord? Autre sujet, au Mechassim Perot Bakelim Mipene Adelef, on pourra couvrir des fruits avec des ustensiles, Mipene Adelef, à cause de ce qui coule dessus. Je traduis littéralement. Idem aussi s'il y a des kadayen et kadé shemen. Qu'est-ce que la Mishnah est venue m'enseigner? C'est simple. Elle est venue me dire, tu sais, je vais suivre pas le Parthenora, mais plutôt le Yom Tov au nom du Roche et de plusieurs Mefarshim, que il est vrai qu'à Shabbat, ou encore même à Yom Tov, si tu n'avais pas de lucarne, où tu pouvais faire tomber facilement dedans, il est vrai que l'on t'impose de laisser les fruits, tu n'auras plus le droit de les déplacer. Malgré tout, tu as le droit de les protéger. Tu pourras amener quelque chose pour les couvrir. Ok? C'est le Delef. Donc c'est que tu vas couvrir les fruits face au risque de se faire mouiller. Vechen kedeyen vekedeshemen, idem aussi s'il y avait des bouteilles, des cruches de vin ou des cruches d'huile aussi, que la pluie qui va venir va peut-être tout abîmer. Tu auras le droit même pendant Shabbat à partir les recouvrir pour éviter leur perte. Et encore une autre halakha, mais notre kli tachat adelef beshabbat, on a le droit de mettre un ustensile sous l'eau qui s'écoule pendant Shabbat. De quoi on parle? On en parle même pendant Shabbat, le Shabbat il est mis en facteur même sur le cas précédent, c'est qu'il y a de l'eau qui est en train de couler par exemple, qui passe d'un toit sur l'autre, alors qu'il y a des fruits là-bas qu'il faut protéger. La Mishnah me dit, tu sais, aussi si tu veux, tu as le droit de prendre un kli, un ustensile, et d'aller le mettre là-bas, sous l'eau, pour que l'eau arrive dans l'ustensile, après tu la verses, et puis après tu continues à récupérer l'eau qui coule. On parle de quoi en fait? On parle que si l'eau, on parle d'une eau par exemple, je vais suivre le Rambam en général, c'est plus facile à expliquer, que ça reporte dans le sodium d'eau. On parle en fait que si l'eau elle va tomber sur les fruits, elle va tout abîmer. Et c'est une eau qui n'était pas très propre en plus. La Mishnah me dit, tu sais, il faut bien comprendre, une eau pareille, normalement elle est mouktée. Et si elle est mouktée, ça implique que tu n'as pas le droit non plus de mettre un ustensile ou un seau pour la récupérer, parce qu'une fois que ça va rentrer dans le seau, tu ne pourras plus la déplacer.
et t'as été mevatel kli mechano, t'avais pas le droit ici de faire qu'un ustensile, il va plus être manipulable pendant Yom Tov, pendant Shabbat, pendant Yom Tov, sans rien même. D'accord? Ça, c'est le problème en théorie qu'il devrait y avoir. T'as pas le droit de mettre un ustensile qui récupère quelque chose de assourd. On l'avait déjà pris plusieurs fois, on l'avait évoqué dans Bami Madelkin, on mentionne. On n'a pas le droit de mettre dans la Mishnah de Bami Madelkin qu'on lit le lendemain d'histoire. Là-bas, on parle que l'Oït Adam Shavuot Shalbesa. Non, je sais plus, il y en a une, plutôt vers le train du Pérec, où il y a de l'huile qui coule, l'huile qui est dans la fiole, t'as pas le droit de la récupérer. T'as pas le droit de mettre un ustensile pour récupérer. De pas récupérer cette huile, parce que tu vas faire qu'une fois que ça va dans maintenant, tu ne pourras plus déplacer le plateau, l'assiette. Alors là, c'est le même principe aussi en théorie. Il y a ici de l'eau qui s'écoule par une gouttière, ça va te tomber sur le fruit, tu as envie de protéger, de mettre un ustensile. Si l'eau que tu vas récupérer, elle va être propre, on te permet, parce qu'elle est buvable. Mais si l'eau que tu vas récupérer, elle est de toute façon sale et nauséabonde, donc du coup, il y a en théorie un problème, que tu n'as pas le droit de déplacer un ustensile pour récupérer une telle eau. Malgré tout, la Mishnah, elle me permet de le faire, parce que il y a une halakha particulière, très originale dans le moukhtse, en fait, c'est que dès qu'il va y avoir un moukhtse qui est désagréable, ça dégage une odeur, tu as le droit de le prendre et de partir le jeter. Ou même quelque chose qui est sale, tu as le droit de le prendre et de partir de le déplacer. Par exemple, on va prendre un cas un peu grossier, mais bon. Un pot de bébé, où le bébé l'a fait dedans. En théorie, il n'y a pas d'ustensile, vous n'avez plus le droit de le déplacer. C'est pas de la nourriture, il n'y a rien. Seulement, si ça reste en plein milieu du salon, c'est désagréable, ça vous écœure. D'accord? Alors, parce que c'est des choses qui... alors là, sur ça, il y a un mukhtse machmat mius, ça s'appelle. Ce qui est mukhtse, mais que c'est à cause de quelque chose qui est écœurant. Alors, il y a un éther qui s'appelle le éther du graf shel rei, justement le pot dans lequel on faisait les besoins à l'époque, que si tu as le droit de le sortir de la pièce, si ça te dérange, et selon le même principe aussi, par extension, l'eau qui est en train de couler, l'eau de la gouttière qui s'écoule, qui va rentrer sur le fruit, c'est une eau sale, désagréable. T'as le droit de la récupérer dans un ustensile, parce qu'ensuite, une fois que tu as récupéré l'eau dans l'ustensile, t'as le droit d'aller la verser pour ne pas rester avec une eau sale à proximité. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.